Hello guys, Day 4 Star, Pablo Escobar, c'est pour toi cette vidéo, ok? Tu as été le plus poli des messages là-bas. Donc on va traduire la vidéo que j'ai postée hier. Je suis sûr que c'est celle-là que tu as voulu que je traduise. Ben, je dois traduire celle-là anyway, donc on va passer par celle-là. Et puis j'ai une autre encore traduction qui vient plus tard. All right. In the country would have turned up so big. Thank you, Davido. Voilà, on va commencer. Hey guys, Davido has proven to be the a very kind-hearted man. Davido just added 5 million naira on top of the 2 million naira that he has given Mobad. Davido vient de donner 5 millions en plus des 2 millions qu'il avait donné déjà. Il y a quelqu'un qui est venu dans les commentaires. La personne comprend l'anglais plus que moi. La personne dit que j'ai menti. La personne dit que c'est faux. Mais je sais que la personne s'amuse. Donc Davido a donné au total 7 millions maintenant au papa de Mobad. Ok? On est clair sur ça. Hein? Il a donné 5 millions en plus des 2 millions qu'il avait donné. Donc ça fait 7 millions au total. Making it 7 million naira altogether that voilà. 7, ça veut dire 7. Ok? 7 millions, ça veut dire 7 millions. Assisted the late Mobad family. After the video of Mobad's father complaining about his apartment, so first online. Il a donné ça après que le papa de Mobad s'est plaint de son appartement. Il y a des papas aussi quand même. Hein? C'est-à-dire, il y a des parents, eux, ils mettent leurs enfants au monde, là. C'est-à-dire, les enfants n'ont qu'à travailler pour vous. Ce papa-là, on va venir sur lui plus tard. Parce que j'aime pas trop les papas qui fatiguent les enfants, là. Je n'aime pas ça. Donc, il s'est plaint. Comme David est généreux, là. Il a donné 2, ça suffisait pas. Il a donné 5 encore, ça fait 7. Il va donner les raisons de pourquoi il a fait ça. Bon, vous savez que je ne suis pas Yoruba, hein, donc je n'entends pas forcément ce qu'ils sont en train de dire. Donc si ça, j'entends des choses, je vous dis, mais ils vont parler en anglais tout de suite. Donc en gros, ils sont en train de monter la kitchen. J'entends kitchen là-bas. Ils sont en train de montrer la saleté de la maison. La mère de la maison est vilaine. Ouais, je ne vais pas devoir dire ça ici. La mère de la maison est comme ça, là, comme vous voyez là. C'est très beau, c'est bien chic. Il n'y a pas de souci, tout est bien là. Ils sont en train de parler de ça. Maintenant, s'il y a les Yoruba dans le message, dites-nous ce qu'ils ont dit, s'il vous plaît. Parce que nous aussi, on veut comprendre un peu, ok? Merci. Donc, Davido, après ça, a posté aussi, quand il a donné l'argent, il a posté sur Twitter. Il a posté sur Twitter et puis il a dit ce que le monsieur est en train de dire que je vais lire ici. Il dit, I lost my son, vous voyez? Il dit, I lost my son, a fait yé. Je crois que c'est comme ça la personne en fait. Ifanye, ok. I lost my son Ifanye. So I know the pains of losing a son. Donc il dit quoi? Il a perdu son enfant qui s'appelait Ifanye. Donc il connaît la douleur d'un père qui perd son enfant. Ok? The pains of losing a son. To Mobad father, voilà, donc je vais continuer à lire. Donc, to Mobad father, I want to add extra 5 million. Donc au père de Mobad, je vais ajouter 5 millions en plus. Des 2 millions que j'avais déjà envoyé ici, de 2 millions à Saint. Saint, ça veut dire already, ça veut dire Saint, ça, c'est past tense. Saint, c'est le passé. Send, c'est le présent. Ok? Sending. I'm sending. C'est le présent. Donc, en gros, il est en train de dire ce qu'on a déjà dit en français. Il envoie 5 millions de plus sur les 2 millions qu'il a envoyé. Use it to get a nice apartment. So, il dit, faut utiliser l'argent là pour te prendre un joli appartement. Ok? Monsieur, il dit, je suis aussi désolé, I'm sorry, I'm really sorry for your loss. Je suis vraiment désolé pour ta perte. RIP, repose en paix, yeah, immolé. I want to add extra 5 million to the 2 million I sent. Use it to get a nice apartment for yourself. I'm really so, so sorry for your loss. Rest in peace, immolé. Donc, on dit la personne qui parle dit de ne pas oublier que Davido n'était pas au Nigeria, n'était pas voilà, n'était pas au pays et tout ça. Oh, il y a quelqu'un qui est à la porte. Désolé, 2 secondes. Désolé, il y avait quelqu'un à la porte. Yeah, je suis derrière et tout.
at the demise of Mubad. He is outside the country doing all this good. Voilà, donc Davido, il est outside the country, c'est-à-dire il est en dehors du Nigeria. Voilà, vous savez que c'est un musicien. Imagine if he's in the country, he would have turned up. Donc le monsieur dit que imaginez s'il était au pays là-bas, il allait gâter le coin quoi. Ouais non, pas il est en dehors du pays, il a gagné 7 millions. C'est gentil de sa part quoi. C'est gentil de sa part pour dire vrai, c'est gentil. So big. Thank you Davido. Maintenant voilà un guassou. Ça c'est un guassou pour vous, OK? Lest I forget. Davido posted that he will be flying to Nigeria to attend Mubad's candle night. Yeah, there's a candle night happening, OK? Il va avoir une célébration pour Mubad. Donc Davido a annoncé qu'il venait. Donc c'est ça que vous avez vu là. Ça c'était le tic, c'était le Instagram. C'était le Instagram de Mubad. Attendez. C'était le Instagram de Davido, OK? Of Mubad, he is outside the country doing all this good. Imagine if he's in the country, he would have turned up so big. Thank you, Davido. Lest I forget. Voilà. Dans Davido, voilà ça, c'était son. Vous voyez, c'est son tic, c'est son truc. Comment on appelle ça? Instagram. Il a, that's his Instagram there. C'est son Instagram là. Donc, il a fait un post il y a 8 heures de cela. Qui, voilà, il venait, he's on his way, you see, on the way, ça veut dire je suis en route. Donc il y a une you know, there's a candlelight, il y a un candlelight. J'ai pas su qu'on a ça en français. Ouais, c'est une veillée, voilà, on dit ça veillée. Donc il y a une veillée qui va se faire le 21 septembre, voilà, c'est là ici, je sais pas si vous voyez, voilà, tout en bas là, le Thursday 21 septembre. Le first day, 21 septembre. OK, le first day, le jeudi. Jeudi 21 septembre, ça sera l'équipe. Donc, en gros, Davido arrive. Donc, voilà, tranquille. C'était juste une traduction pour ça. Je devais faire ça hier, mais j'étais au boulot. OK, portez-vous bien, c'était des faux ça. Je sortirai encore plus tard pour des vidéos et des traductions. Likez, sharez et take care. All right, bye, des faux ça.